Nous allons vous lire des extraits du livre de l'association Art et Littérature au pluriel que vous avez donc ici et qui est en vente hein, tout au long du salon. Donc merci de soutenir notre association. Donc ce ne sont que des bénévoles qui ont organisé tout cet événement pour vous aujourd'hui. Donc des artistes, des écrivains, des écrivaines, des auteurs, des autrices qui ont chacun écrit des textes dans ce livre. Et on va vous en lire des extraits plus ou moins longs et nous espérons vous donner envie de vous ruer sur ce joli petit livre qui est donc à 8 euros et ça vous fera un magnifique souvenir de votre passage aujourd'hui parmi nous. Bonjour, je m'appelle Marcel, je suis collectionneuse de lettres. Je les recueille dans les greniers oubliés, au fond du secret des tiroirs. Parfois froissés dans les décharges de nos mémoires. Petites brides d'humanité disséminées au gré du vent, elles racontent brièvement des histoires de résilience, de résistance et d'amour. Pour vous, j'en ai sélectionné 7. Le chiffre 7 correspond à une période lunaire. J'ai imaginé qu'il vous appartenait de continuer le cycle en visitant vos greniers. Voilà, elles vont être à vous, je vous les offre. Tours, le 10 mars 1999. Je ne vous dis pas bonjour. Il est grand temps que les choses soient dites. Je voudrais vous voir disparaître derrière le tableau noir et ne plus jamais apercevoir votre ombre. Vous prenez toute la place. Même après l'école, votre voix est dans ma tête. Elle me dit que je suis bon à rien, que j'aurai de la chance si quelqu'un accepte un jour de me confier un balai. À part des coups de pied au cul, je n'ai rien à attendre. Alors je rêve. Je rêve que vous mouriez broyé dans les flammes ou brûlé de disparition. Quand vos ongles rouges se posent sur le tableau, je vois des traces de sang dans la boue. Quand vous posez mon cahier sur le pupitre, il est immédiatement aspiré par l'encrier. Et je suis seule. Seule à imaginer que la vie sans école serait comme une grenadine avec du pain beurré. Je vous déteste, avec votre chignon qui tire et votre joue et votre jupe qui tombe sur vos souliers pointus. Tout en vous me fait peur. Aujourd'hui, j'ai lavé le tableau noir. C'est la punition quand on est privé de récré. J'ai fouillé dans votre bureau. Je pensais trouver des objets de torture. Je voulais déchirer vos livres et cracher dans votre sac. Mais j'ai trouvé un dessin de princesse et 4 mots en rose pour ma maman chérie. Je vous déteste toujours, mais je vous vois maintenant avec une vie qui brille après l'école. Je ne veux pas de balai quand je serai grand, je veux une soucoupe volante et des croissants au beurre. Julien. Je vous lis le début de la nouvelle de Noël Mirande, intitulée « Lettres ». À la fin du mois de mars, la place principale fut réaménagée. Les buissons, les arbres, les massifs de fleurs furent enlevés. Un square aurait été le bienvenu. Dans ce quartier central, donner un poumon d'oxygène à la ville eût été l'idée la plus judicieuse à suivre. Pourtant, la priorité fut accordée à la rapidité et à la commodité de déplacement ainsi qu'à la facilité d'entretien. Un seul arbre avait été conservé. Il était magnifique, imposant. Sa ramure était vaste, son feuillage fourni, son tronc droit et massif. Cette prestance robuste marquait le nouveau forum d'un jalon emblématique. Pas d'allée, pas de fontaine, pas de jardinière, pas de jeu pour enfants, juste 2 bancs à 3 sièges séparés pour éviter que les occupants ne s'allongent et ne squattent l'espace public. Un seul cercle de terre était délimité, chichement, autour de l'arbre.
dernier fleuron d'une vie végétale décimée, cet arbre était aimé et admiré des citadins. Quelques artistes venaient le dessiner, les amoureux le plaçaient en arrière-plan de leur selfie. Les défenseurs de la nature le prenaient comme symbole de résistance. Cependant, le géant végétal s'étiolait. L'écorce pelait, se détachait en lambeaux lépreux. La repousse des feuilles tardait. La verdure éclatante flétrissait jusqu'à muer en un bistre souffreteux. Rapidement, l'arbre se dénuda et finit par mourir. Il ne perdit rien de sa beauté. L'enveloppe de son corps nu devint d'un gris d'argent poli, doux au toucher. Son squelette montrait toute la charpente complexe et harmonieuse qu'il avait épanouie dans sa maturité. Sous la pression des habitants, la municipalité décida de ne pas couper l'arbre. Du moins tant qu'il ne présentait pas de danger de tomber de lui-même. Le premier message fut accroché par une jeune femme, Inès, dont la mère avait disparu. Simple feuillet de carnet griffonné d'un souhait timide et désespéré. Un reportage sur les rituels votifs l'avait encouragée à chercher un soutien dans cette forme de prière. Une deuxième feuille, puis un sachet, puis une plume, un carré de dentelle vint rejoindre le papier plié. Des anonymes venaient confier leurs pensées, leurs envies, leurs besoins, leurs offrandes, dans un geste collectif aux diverses intonations. Progressivement, l'arbre se remit à exister. Sauf que la sève ne revint pas et qu'il ne s'anima pas d'une fougue retrouvée. Seule l'apparence de sa silhouette habillée, ornementée, donnait l'illusion de la vie. Son âme, détachée de la gaine autrefois palpitante, se nourrissait de la ferveur humaine, emplie d'espoir et de questionnement. La foule ressentait-elle l'énergie bienfaisante qui se dégageait de l'arbre aveux ? Certains l'affirmaient. Une attraction puissante, quelle qu'en soit l'explication, rassemblait une population disparate. Croyants, curieux, athées, moutons, naïfs, mystiques, tous se pressaient ici. Ils venaient voir la structure se charger, s'envelopper, vibrer de la multitude des objets agités par les vents et la pluie. Yann, un vieil homme, s'arrêtait tous les jours et s'asseyait sur un des sièges vacants. S'il ne l'était pas, quelqu'un se levait pour lui laisser sa place. L'homme restait quelques minutes, trouvant de la complicité dans l'ancêtre végétal qui portait tant de mémoires humaines. En repartant ce jour-là, il remarqua un papier qui gisait sur les dalles trempées. Suite est dans le livre. Bon Chaco, le 17 février 1989. Cher Philippe, nos mots traversent la mer et avec eux des sensations si douces. Hier, j'ai marché plusieurs heures dans une forêt d'eucalyptus. L'odeur pénétrait mes vêtements. Elle avait une consistance de miel et de pharmacie. J'ai pensé à toi, bien sûr, mais aussi à ces petites douceurs rondes et blanches enfermées dans de jolies boîtes. En pensée, je suçais le blanc sucré en attendant l'explosion d'anis. De ma bouche, les souvenirs surgissaient. Du nez à la bouche, le chemin est étroit. L'odeur d'eucalyptus est restée sur ma peau et curieusement sous ma langue. Ce soir, je suis dans une petite ville rouge, près de la côte. Je t'écris sous un palétuvier. Je croque un épi de maïs acheté sur le marché. D'abord les grains jaunes et brillants, alignés comme une promesse croquante. Puis mes dents détachent les grains avec délicatesse, 3 ou 4 à la fois, pas davantage. Le maïs grillé se mélange bien à la salive. C'est comme le chocolat et la crème fouettée, ou bien le beurre et le pain frais. La magie réside dans la rencontre du maïs et de la texture intime. Bon,
Le ciel s'obscurcit, je vais m'installer pour la nuit. J'attends avec impatience tes lettres. Continue de m'envoyer des recettes de cuisine. Je cuisine avec tes phrases. Je fais rêver mes papilles avec tes mots. Tes descriptions et tes injonctions inhérentes aux préparations culinaires me remplissent en bouche. Je savoure les images. Sac au dos, au rythme de mes pas, je confectionne des madeleines, des cakes et des choux à la crème. Cela a un impact sur ma santé et les paysages que je traverse s'inscrivent sucrés sur ma rétine. J'embrasse la nuit qui vient et toi tout de suite après. Marie. PS. Depuis plusieurs jours, je fais des rêves de fromage. Je crois que mon corps réclame des produits laitiers. Et si tu m'envoyais un camembert ? La lettre que je n'écrivais pas, de Corinne Guiteau. Pourquoi faudrait-il donc t'écrire cette lettre ? Saurait-elle créer ce qui n'existe pas ? Pourquoi dire ce que tu ignores déjà ? Qui sait ? Ces mots pourraient tout effacer, peut-être. Pourquoi raviver ce qui refuse de naître ? Il n'y serait question d'aucun sentiment. Rien ne serait fêté, aucun avènement. C'est une histoire d'amour qui refuse d'être. La colère m'obligerait à te mentir. Mes mots auraient-ils seulement le pouvoir de faire en sorte que tu veuilles bien me croire ? Si je me confessais, je crains que ça m'empire. Aussi, je laisserai mon stylo dans la poche. Je cacherai tous ces mots au fond de mon cœur. Je les étoufferai au creux de ma douleur. Sans regret, je rayerai cet amour fantoche. Juste une lettre que je ne t'enverrai pas. Juste une lettre que tu ne liras jamais. Juste une lettre où j'avouais que je t'aimais. Juste une lettre que je garderai en moi. Seule à retrouver des lettres dans les greniers. Michel Pépiton a aussi trouvé un trésor. L'enfant témoin, donc, de Michel Pépiton. Alors que le mois de mai m'obligeait à me mettre à l'abri des pluies persistantes, je me réfugiais dans le grenier de la maison familiale qui regorge de trésors. Je fus vite rejointe par ma mère qui en a fait son lieu de souvenirs et de nostalgie. Cette maison, elle la connaît par cœur pour y avoir grandi auprès de grands-parents aimants et pour avoir choisi d'y vivre à sa retraite avec mon père d'origine italienne. Lui-même en avait également fait son refuge, adopté par un pays qui n'était pas le sien. Il trouvait un plaisir profond de laisser cette maison en héritage à ses enfants et petits-enfants. Je décidai de faire un peu de rangement. Chacun sait qu'entreprendre du tri dans un grenier familial finit toujours par une pause prolongée sur une vieille chaise et la lecture de vieux carnets, ouverture de carton dans une odeur d'enfance, à la découverte d'un jouet oublié, et se rappeler soudain que la vie passe trop vite. C'est alors que ma mère me remit entre les mains une lettre qu'elle avait retrouvée quelques jours auparavant, lorsqu'elle cherchait son compagnon, le chat Doudou, qui s'était caché derrière une malle remplie de tissus et dentelles. Je commençais à parcourir ce courrier daté de juillet 1940. Doui, le 5 juillet 1940. Chère maman Marguerite, ici la poste remarche, alors je profite pour t'écrire. Nous ne sommes pas à Orléans parce que notre maison est complètement détruite. Alors nous sommes venus nous réfugier chez grand-mère. Heureusement, nous étions partis avant.
Nous sommes partis le samedi 15 juin et une heure après, tous les carreaux de notre maison étaient cassés, c'est-à-dire vers 5 heures du soir. Quand nous avons vu la nuit venir, nous avons fait 15 km en 5 heures. C'est pour dire comme on marchait vite. Et comme il pleuvait, nous avons couché dans l'auto. Pendant la nuit, nous avons entendu bombarder Orléans. Le lendemain, nous nous sommes levés à 3 heures du matin et sommes partis à 5 heures seulement parce que sur la route, les autos faisaient la queue. Nous avons traversé la Loire à main et nous nous sommes dirigés vers un petit pays de l'Inde. Dans ce petit pays, il y avait une pièce de libre, alors nous nous y sommes installés. Deux jours après, papa a trouvé du travail chez un boulanger. Le 25 juin, nous sommes retournés à Orléans et nous avons trouvé que les pierres de notre maison et de notre quartier. Tout le quartier avait flambé. Vite, nous sommes allés à Douai. Tout le monde allait bien et la maison était entière. Heureusement, papa travaille chez un boulanger dans un pays auprès de Douai. J'espère que tu es en bonne santé et que tu n'as pas souffert de la guerre. Nous nous réunissons pour t'embrasser, Denise. Mais vous n'êtes pas les seuls à être inspirés par les lettres en temps de paix, en temps de guerre. Je vais vous lire des courts extraits du texte de Luc Ziegler qui s'intitule « Feu, la lettre postale ». Pour sauvegarder le moral des troupes, les généraux ont fait en sorte que la lettre soit le cordon ombilical qui relie le poilu à ses proches. Un tel dispositif, étayé par une logistique ferroviaire et routière complexe, a contribué durant les années de guerre à conforter le moral des soldats. Cette période détient le ruban bleu de la célébrité dans l'acheminement du courrier, à grande échelle, par le service postal. Une lettre déposée le jour J à Marseille, à Bayonne ou à Brest, arrivée en J+1 à Verdun, pour être remise à son destinataire. Un service similaire était assuré en sens inverse. Le cinéma nous offre des témoignages plus souriants sur l'importance de la lettre dans la vie d'un village. En 1947, Jacques Tati réalise « Jour de fête ». Le facteur François occupe en grand l'écran. Juché sur sa bicyclette, qu'il utilise avec une maladresse acrobatique, il effectue sa tournée et serre le courrier, empli d'une fantaisie imperturbable. François, sans s'arrêter, plante la lettre sur une fourche d'agriculteur, la jette dans un chapeau ou la dépose sur l'étal d'un marchand des quatre saisons, puis s'en va batifoler dans la campagne, le service accompli, histoire de se dégourdir les jambes en moulinant le pédalier. C'est l'âge poétique de la lettre. Paris, le 9 janvier 2015. Cher Sylvain, aujourd'hui le gris n'enflamme rien, même la pluie se tait. Un fond sale sur du froid épais. On a oublié la neige. Elle a fui décembre et ne semble pas s'annoncer pour janvier. Que te dire du gris plus profond encore? Les larmes sifflent sous les cœurs. Les mots se collent et se fracassent sur une surdité étrange. Marcher debout, sans autre but que de découvrir l'autre. Sans briser ses rêves, c'est une entreprise périlleuse. Faire taire les dieux, le temps d'une introspection. Faire taire les haines, le temps d'une respiration. Aujourd'hui comme hier, je pense à toi, à la clarté de ton regard. Tu analyses chaque situation avec l'implication et le recul qui me manquent. Moi, je ne sais plus. Laminée, je suis morte hier.
broyée sous les vents contraires et les tempêtes debout. Écrire pour ne pas perdre le sens dans la tourmente. La haine s'enflamme et j'ai froid. Je suis à terre. Le sol s'est affaissé dans un flot prun. Aujourd'hui, incapable de relever le défi de penser sans tomber. Mais demain, je trouverai les mots. Le mot résister soufflera sur le gris. Le précieux doit sortir du ventre des vivants. Dire en rouge le tendre qui survivra malgré les sanglots. À toi, avec toutes mes larmes et mon humanité meurtrie. Sophie, femme de ménage à Charlie Hebdo. M versus N, Corinne Guiteau. Tous ces sourires que tu sèmes pour qu'on t'aime, après tout, ce n'est pas mon problème. Tu crois à chaque fois que ça passera à crème, mais moi je veux changer de thème. De toute manière, nous deux, c'est pas le bon théorème. Tu vois bien qu'on ne fonctionne pas avec le même barème. Je suis reine, souveraine de ma haine. Qu'est-ce qui t'amène dans mon arène? Tous tes discours, c'est pas la peine. Les aventures, tu les enchaînes. Tes amours sont trop malsaines. Moi, ce que je cherche, c'est du pérenne. Or, ce n'est pas là que tu m'entraînes. Tout ça, à quoi ça nous mène? Tu veux vraiment que je te fasse une scène? Dans la vie, je me démène pour échapper à la GN. Chaque jour est un nouveau baptême, baigné de larmes et d'anathèmes. Tu crois que ces mots que tu m'assènes éviteront les dilemmes? Mais ce que je ressens là, c'est bien trop extrême. Quand tu me parles, je n'entends que des blasphèmes. Puisque tu refuses que je t'aime, j'en ai marre de tes défis obscènes et de ces foutus stratagèmes. Alors, c'est décidé, je reprends les rênes. Une lettre, je vous lis une nouvelle à chute, alors accrochez-vous. La lettre manquante de Louis Raffin. Aussi incroyable qu'il y paraisse, cette histoire est vraie. Je n'ai toutefois pas connu son malheureux héros car il était mort avant ma naissance, mais je n'ai rien inventé pour autant. Il y a très longtemps qu'un collègue m'a raconté cette histoire. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier, et vous non plus, vous ne pourrez pas l'oublier. C'était au début du XXe siècle, une époque que nous n'avons pas connue, mais qui n'est pas si lointaine. Il y avait déjà des téléphones, des automobiles, des aéroplanes, et des cinématographes. C'était la belle époque. En ce temps-là, avant le Front populaire et mai 68, avant les congés payés et le droit à la retraite, il y avait encore du respect dans les entreprises. Certes, des conflits très durs éclataient quelquefois, mais on savait traiter les meneurs, et après quelques morts et passages à tabac, tout rentrait dans l'ordre. Le petit personnel restait à sa place. Humblement soumis à ses hiérarchies. Et il travaillait dur, sans broncher, pour un salaire de misère. Bref, c'était la belle époque. Dans les grandes entreprises et les administrations, on formalisait toujours davantage la gestion du personnel. C'est ainsi que la plupart des ouvriers et employés faisaient l'objet d'une notation annuelle. Bien sûr, il n'était pas question de leur communiquer cette évaluation, qui ne regardait que leurs supérieurs. Le héros de mon histoire travaillait dans une banque. Ce jeune homme, donc, avait le privilège de travailler au sein d'une banque prestigieuse sur la place de Paris. Il n'y occupait toutefois que les modestes fonctions de garçon de bureau, car ses parents n'avaient pas pu lui payer de longues études. Les lycées et universités n'étaient alors guère fréquentés que par les enfants de la bourgeoisie aisée. C'était la belle époque. Mon héros avait donc tout loisir de s'estimer heureux.
car s'il donnait satisfaction, son emploi lui était virtuellement garanti à vie, ce qui n'était pas un mince privilège en l'absence d'allocation chômage. Tout aurait été pour le mieux, dans le meilleur des mondes, sans la fatale évaluation que son chef de service lui attribua au début de sa carrière et qui le suit jusqu'à la tombe comme la marque au fer rouge sur l'épaule d'un forçat. En effet, après des considérations plutôt élogieuses, du moins en apparence, une dernière phrase de deux mots assassinait le pauvre garçon. Cette phrase disait « Il boit ». Qu'un employé de banque, même subalterne, s'adonne à la boisson, était rédhibitoire. Sa fiabilité était trop susceptible d'être prise en défaut. Malgré cela, il ne fut pas licencié, mais conserva les mêmes fonctions et le même salaire pendant sa très longue carrière. En effet, souffrant d'une légère claudication, il fut dispensé de participer à la glorieuse boucherie de la Première Guerre mondiale et put ainsi servir son employeur des décennies durant. Il ne sut jamais pourquoi. En dépit de la satisfaction que ses chefs semblaient lui témoigner, il était, dans le même temps, privé de tout avancement. D'un naturel doux et résigné, il ne se révolta jamais contre cette flagrante injustice. Ce n'est qu'après la mort qu'un étudiant en mal de documentation pour sa thèse découvrit la vérité. La banque employait déjà les technologies modernes, ainsi l'évaluation du malheureux garçon avait été écrite à la main par son chef de service, puis tapée à la machine par une dactylo. Mais elle avait fait une faute de frappe que son chef n'avait pas relevée. L'étudiant, plus attentif, compara le manuscrit original resté au fond d'un classeur avec la note dactylographiée officielle. Il vit alors qu'il manquait une lettre. Dans le texte manuscrit, la dernière phrase n'était pas « il boit » mais « il boite ». Le 17 novembre 2009. Chère madame, je m'appelle Louis Dubois. Je suis née dans votre maternité le 13 octobre 1979. Je vous ai rencontrée il y a maintenant plusieurs mois. Nous avions longuement parlé et vous m'aviez dit que vous resteriez disponible pour m'aider à effectuer des recherches sur ma naissance. Peut-être m'avez-vous oublié. Je me permets donc de vous écrire, n'osant pas vous téléphoner. Je cherche mes racines. Je remonte doucement le temps jusqu'à l'origine de mon monde. Depuis le jour où j'ai franchi avec vous les murs de la maternité où je suis née, il s'est passé 1000 choses en moi. J'ai respiré l'odeur d'un début. J'ai humé les prémices d'un chemin. Et quelque chose s'est brisé. Je crois qu'il s'agit de chaînes. Née sous X. Trois mots en bouche, en boucle, en braise. Une croix sur ma tête. Un X pour barrer, rayer, effacer tout ce que j'essayais d'être. Née sous X et X raison de s'en contenter puisque ce X était mon identité. Et le nom de ma mère. Il y a quelques mois, j'ai entrepris des recherches et doucement, j'avance. Et puis voilà, je vous ai rencontré. Vous m'avez écouté. J'ai senti votre intérêt et quelque chose a respiré sous le X. Juste cela, rien de plus. Vous m'aviez dit de m'imprégner du lieu, de revenir si je le souhaitais. Eh bien, je vais revenir. Je vais revenir bientôt puisque c'est ici que ma femme et moi avons décidé de mettre au monde notre premier enfant. Très sincèrement, merci, Louis. Mon abécédaire de Sylvie Leroy, devant l'autrice. Association Art et Littérature au pluriel.
bibliophilie ou la beauté des lettres, correspondance de tout genre, dactylographié, manuscrit ou épistolaire, éditeur, écrivain. Fabuleux et fédérateur, leur festival. Gage de culture sans galéjade. Hagiographie, imprimerie sans illettrisme, jeu de mots au jardin des plantes. Cagne, lettres supérieures, méronymie de la machine à écrire, du marque-page. Néologisme, 9e art, newsletter. Œuvre à découvrir en octobre. Pas de pages blanches, des palindromes, des pamphlets, qui plus est, des quêtes de résistance. Et son prix. S'exprimer autour de tables rondes, typographie, tapuscrit, uchronie. Vadémécom ou versification, WYSIWYG ou Wikipédia, de la xylographie au XOXO, il n'y a qu'à s'y rendre au festival Livre au cœur. Zénitude y sera. La lettre de trop de Catherine Sec. Je me souviens bien de cette enquête. Nous étions en plein cœur de l'hiver, un hiver froid et pluvieux qui rendait Paris plus gris qu'une serpillière. Par décret signé du président de la République, j'avais été nommé commissaire de police et j'espérais avoir très vite à traiter une belle affaire de meurtre pour prouver à ma nouvelle équipe que j'avais réellement mérité cette promotion. À l'époque, devenir commissaire de police à même pas 40 ans, pour une femme, c'était forcément louche. Je souhaitais tuer dans l'œuf toutes les supputations à venir sur les moyens utilisés pour arriver à mes fins. Je voulais que mes gars se concentrent sur leur boulot d'enquêteur. Mardi 11 février, cette belle affaire arrive à point nommé. Une femme est retrouvée morte, étranglée, dans la cuisine de son petit appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris. Détail sordide que révélera l'autopsie. La victime était enceinte de 3 mois. Posée sur sa poitrine, une lettre anonyme sur laquelle est écrit « Je l'ai tuée car c'est qu'une animeuse ». La signature reproduit le célèbre Z de Zorro. L'enquête démarre laborieusement. Aucun témoin, aucune trace relevée dans l'appartement. Au bout de 24 heures, nous disposons de peu d'éléments. Les premières investigations démentent rapidement le reproche formulé par l'auteur de la lettre. L'enquête de moralité conclut en effet que la jeune femme, mariée, n'a pas d'aventure extra-conjugale. Le couple a même l'air très uni. Tout cela est bizarre. Sans indice, ni même la plus petite incohérence qui constituerait un début de piste, notre seul espoir réside dans l'examen de la lettre anonyme découverte sur la victime. Février 2005. Ma douce, tapis dans la cabane du jardin, je t'écris. J'ai trouvé refuge ici, entre 2 râteaux, des plants de poireaux, des géraniums en hivernage et 1000 autres choses encore. Le froid pénètre entre les planches disjointes et la porte branlante. Ici, je me sens bien. En mitouflée, je maintiens mon crayon avec mes mitaines percées. Le froid, les odeurs de terre et de moisie ne m'éloignent pas de toi. Je t'imagine, lovée dans ton fauteuil près de la cheminée, les joues rouges et les yeux brillants. Ce contraste entre mon environnement et le tien est séduisant. Rassurant. Tu vois, rien ne nous sépare. À la maison, les portes claquent. Les murs gardent les cris et les larmes sous le papier peint à fleurs. Papa ne se contente plus de hurler et maman semble disparaître sous le tapis. Ici, je suis heureuse. Le moisi a l'odeur de l'entre-deux mondes. La vie et la mort dans une inspiration. Jamais ailleurs je me suis sentie aussi près de cette vérité. Et puis la terre qui dort en attendant le printemps est une promesse. Le velours de tes yeux peut pénétrer ici. Rien ne l'abîme.
Cécile, mon écriture se ratatine. Des mots restent coincés dans ma mitaine. D'autres gèlent sur le papier humide. Les lettres se serrent les unes contre les autres. J'espère que tu pourras me lire. Je crois qu'il neige. Je n'entends aucun bruit. J'imagine le monde recouvert d'une ouate épaisse et nous deux laissant des traces de lune bien au-dessus du sol. Cécile, tu es bien au chaud dans ta maison qui sent l'estragon et le sucre. Moi, je devrais grelotter dans la cabane du jardin, mais j'ai presque chaud car je te sens tout contre moi. Plus tard, quand la maison qui crie dormira, je ferai mon sac. Demain, je frapperai à ta porte. J'essaierai d'apprivoiser tes parents. Si les cœurs se ferment sur notre amour de neige, je m'installerai alors dans ta cabane de jardin en attendant mes 18 ans. Avec tout mon amour et plus encore, Suzanne. Un court extrait d'un texte d'Aurel Arès intitulé Georges Kalman Lévy, Le Guérinet, 1910-2019. Cette fille endormie m'intrigue. Chaque soir, pour s'assoupir, elle crée des cadavres exquis abécédaires. Elle dépasse rarement la récitation du deuxième texte, ses thèmes changent à chaque fois. Le café, les oiseaux, le meurtre de sa voisine chiante. Attrapé B ce dimanche et ficelé, gorge, hanche, index, chambre, quoi ? La méchante n'osera plus colibéter. Les souvenirs d'enfance. Âme, biche, café, déesse, enfance, frère, gaulois, H-I-J, kilt, livre, Mongolie, N, Orléans, Paris, Q-R-S-T. La complexité de l'exercice consiste à se les rappeler tous et pouvoir les réciter en changeant d'intonation, toujours avec humour, d'une seule traite, sans s'arrêter, par cœur. Janvier 1963. Ma tendre Élise. Ce matin, le ciel est clair et l'air sent le seringa. J'ai étendu mes chemises au soleil et je t'écris sur la terrasse près de la fontaine. L'eau qui coule est plus bavarde que celle qui stagne dans la vasque. Les oiseaux viennent y boire et les phasmes s'y étirent. Je pense à toi, tout le temps, partout. Ta voix traverse le papier pour venir se frotter contre mon cou. Tes mains aussi voyagent, je les sens sur mon torse. Tes doigts, sur l'ombre de ma barbe, dessinent des chemins tendres. J'aime ta voix, tes mains, tes mots et ton rire qui rebondit sur mes chemises au vent. Il me faudra t'attendre encore. Sans toi, le temps s'endort, les heures s'épaississent. Même les cerises du jardin ont perdu de la lumière. Je pense à toi. Je te veux tout contre moi. Je veux tes mots sur ma peau. Je veux ton corps sous mes doigts. La nuit, je t'invente. Je crée ton corps sous mes paumes. Je me blottis sous la neige de ta peau. Je retiens la nuit sous mes draps. Je ne veux pas du jour qui vient. J'ai de plus en plus de difficultés pour partir travailler. Retrouver ma salle de classe et mes élèves endormis. Je prends mon vélo et j'ai le sentiment de pédaler à l'envers pour retrouver nos draps. Alors je change de rêve. J'imagine notre enfant prenant le chemin de l'école et nous deux enlacés, lui disant au revoir sur le pas de la porte. Un enfant de toi, un tout petit à nous. Tu vois, j'y pense aussi. Comment se passent tes journées loin de moi ? Moi, j'attends le facteur chaque matin. Je le sens moqueur quand il dépose ta lettre dans ma main. Je reçois ton courrier comme une caresse. J'attends un peu avant de l'ouvrir délicatement.
Je palpe l'enveloppe, je la respire longuement avant de me blottir dans le fauteuil rond que tu aimes tant. Tes mots m'enveloppent, se serrent sur ma poitrine, glissent sur mon dos pour revenir dans ma bouche. Je t'aime si fort, ma petite fleur de sel, que le ciel s'en étonne. Il trace des chemins de mousse dans le bleu, je m'y promène comme accrochée à tes yeux. Si tendrement je t'aime, Alphonse. Je vais vous lire un court extrait de M de Bernard Hénager, un auteur qui est sur le salon. Pour la lecture, c'est plus compliqué. Je me souviens que mon père, au moment de la pause déjeuner, bien calé dans son fauteuil, m'avait attiré à plusieurs reprises près de lui. Comme il lisait le journal, son idée consistait à me faire déchiffrer le titre « L'Union, grand quotidien issu de la résistance ». Il procédait... Il procédait lettre par lettre, sonorité, association, type B.A.B.A. Je n'en ai jamais rien retenu si ce n'était que l'apprentissage était une entreprise formidable et que je n'y arriverais jamais. L'expérience se répéta et je persistais à n'y rien comprendre. Mon père m'intimidait et les émotions montaient si fort qu'elles m'embrouillaient la tête. En sa présence, je n'étais pas en état de répondre. Et si j'étais nul en classe? J'avais des souvenirs de petits matins où mon père faisait réviser à mes frères leurs leçons. Et ça n'était facile pour personne. Il piquait des colères violentes qui me terrorisaient. J'avais très envie d'apprendre à lire et à écrire. Mes parents lisaient. Ils avaient une bibliothèque riche de trésors cryptés avec ce code secret. Ces signes que tous déchiffraient à la maison, sauf moi. Ma sœur lisait, elle avait même une étagère dans son secrétaire avec l'histoire de Heidi, qui me faisait bien envie. Et mes frères lisaient les albums de Tintin, que je feuilletais, sans rien y comprendre. À toi, ma mère, sur ton île aride. T'écrire pour garder ce qui s'enfuit de ta mémoire, cette mémoire qui s'effrite et meurt doucement, les souvenirs frottés à la toile émerie, des pages blanches surgissent, l'effacement doit s'écrire. Hier, je n'existais plus. Tu m'as demandé 3 fois qui j'étais et si par hasard je n'avais pas vu ta fille. Les larmes sont passées par mon cou, se sont écrasées sur ma nuque, en laissant mes yeux secs. Et puis tu as froncé le nez, reniflé 2 fois, et prononcé mon nom. Mon prénom comme un soleil d'hiver, j'étais là, à nouveau. J'ai pris ta main dans la mienne, cette main si fine que je n'ose plus serrer, et j'ai savouré l'instant. Être présente dans le dessèchement des mots, juste un instant encore. M'envelopper de mon prénom, prononcé par toi. C'est encore possible cet échange, si fragile et si beau. Je t'ai apporté des meringues. Tu les aimes? J'insiste sur le présent, mais si, tu les aimes les meringues. Tu les as tripotées longuement, puis écrasées en menus morceaux. Tu as regroupé des fragments de douceur ancienne dans ta main fermée. J'ai porté quelques miettes vers ta bouche. Tu les as refusées. Tu tenais serrées dans ta paume les éclats de ta gourmandise. Et tu me les as lancées. Une pluie de neige sucrée. Contre toute attente, j'ai ri. Mon rire t'a rencontré. Une lumière mauve à laminer tes yeux de 1000 ridules dorées. Le rire est sorti de tes yeux, puis de ta bouche. Et ensemble, nous avons ri. C'était doux, doux comme une friandise oubliée. L'ongle de ton index est venu ramasser une miette sur mon épaule. Tu l'as portée à ta bouche.
et j'ai vu un soupçon de mémoire gourmande sur ton sourire. Ta fille. Merci à tous.